question. Nous attendons nos frères et sœurs. En tout temps, chacun se débarbouille rapidement pour être concentré et partage aussi en même temps la vidéo. Et prépare aussi sa Bible et son cahier. Bienvenue à la lumière des Saintes Écritures. La lumière des Saintes Écritures. En mémoire de Momi Shalom et Kané. Merci Saint-Esprit. Thank you Jesus. Connectons-nous massivement. Jesus is coming. Alléluia. He shall come. Alléluia. Jesus is coming. Alléluia. He shall come. Voilà, dans une minute, il sera 6 heures et nous allons commencer avec la prière. Donc je vais aller rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Il faut rappeler aux habitants de Douala que je suis dans la ville de Douala. Nous sommes là pour un grand travail de restauration, de renversement des hôtels les plus redoutables, les plus résistants, des problèmes les plus difficiles dans la vie d'un homme. Il s'agit de sa mentalité, la mentalité. Et Dieu est en train de changer nos mentalités. Comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de révolution dans un peuple qui n'a pas connu au préalable une révolution de mentalité. Voilà. Que ceux des habitants de Douala ne restez pas chez vous aujourd'hui. C'est jeudi et nous serons là pour finir le premier round. Et on continuera, on reprendra dimanche à partir de 16 h. Donc si tu es habitant de Douala, ne reste pas chez toi. Sois présent. L'église est située à Ndokbon, derrière l'immeuble Kamley. Donc, que le Seigneur te bénisse au nom précieux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a des occasions que Dieu donne et c'est une fois qu'il les donne. Et nous saisissons cette occasion au nom précieux de Jésus. Donc, bonne arrivée ce matin, que Dieu te bénisse. Il est 6 heures, on va lancer. Nous allons commencer avec la prière. C'est notre coutume. On ne peut pas commencer une journée sans prier. Nous allons remercier le Seigneur déjà pour la vie, le mouvement et l'être. L'apôtre Paul a dit, en lui nous avons la vie, l'être, le mouvement et l'être. Donc nous voulons dire merci à Dieu pour la vie. Merci à Dieu pour le mouvement, la capacité de nous mouvoir et pour ce que nous sommes, donc pour notre être. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Père, te disons merci pour cette nouvelle journée. Merci parce que tu renouvelles en nous la vie, tu renouvelles en nous le mouvement et l'être. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour l'opportunité extraordinaire que tu nous donnes encore de vivre en ce matin. Merci, Seigneur, parce que il n'y a que ta main pour le faire et c'est ta permission qui nous permet de vivre. Et nous le confessons parce que nous en sommes témoins et nous en sommes surtout conscients. Nous savons, Seigneur, que le don de la vie vient de toi et nous te bénissons pour ce don. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci pour cette gratitude que tu as eue envers le Seigneur. Alors ce matin, nous allons prendre un deuxième sujet de prière. Seigneur, fais en sorte que le don de la vie que tu me donnes ne soit pas vain. Le don de cette nouvelle journée ne doit pas être vain. Donne-moi d'être utile en cette journée, que cette journée me soit utile. Nous allons prier pour cela parce qu'il y a, et si on ne fait pas cette prière, parfois la journée peut être un don de Dieu, un don magnifique de Dieu, mais cependant tu ne tires aucun bénéfice de cette journée, elle ne t'apporte rien de bon. Nous allons donc dire à cette journée, on va parler à la porte de jeudi, disant jeudi, apporte-moi tout ce que tu possèdes de meilleur. Aucun malheur, rien de négatif,
je ne recevrai rien de négatif de toi. Nous prions au nom souverain de Jésus. Seigneur, nous nous tenons à la porte de la journée de jeudi et nous parlons à la journée de jeudi. Nous nous adressons à cette journée qui est un don de Dieu dans nos vies. Nous disons journée de jeudi, nous retirons de toi tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de meilleur. Nous exigeons de toi tes meilleures productions et nous refusons que le malheur ne soit donné par toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Journée de jeudi, nous nous appuyons dans le nom de Jésus-Christ pour proclamer que tu seras une journée bénie, que tu es une journée bénie, une journée de joie, une journée de prospérité, une journée de succès, une journée d'avancement, une journée pendant laquelle tout ce que nous entreprendrons réussira. Qu'il en soit ainsi au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu as fait cette prière avec foi, c'est accompli au nom précieux de Jésus. La journée de jeudi est une journée bénie pour toi dans le nom précieux souverain de Jésus. Tout plan de Satan contre ta journée vient d'être anéanti, annulé au nom précieux et souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons prendre un autre sujet de prière. Nous allons parler à Dieu encore ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'y a personne qui possédant ses biens dans une maison, et donc la maison étant gardée par un homme fort, ne puisse reprendre possession de ses possessions dans cette maison sans avoir au préalable renversé l'homme fort qui est devenu le gardien de ses biens. Alors il y a des mauvais gardiens. Nous allons dire tout mauvais gardien de cette journée doit être renversé. Ça veut dire que tout gardien que nous n'avons pas mis pour surveiller nos biens, nos richesses, notre succès, il doit quitter devant la porte de cette journée. Toute puissance maléfique, toute puissance infernale que le diable lui-même a mandaté pour prendre possession de la porte de ce jeudi dans ma vie de cette journée, je renverse cet homme fort et je suis en contact avec ma bénédiction, en contact avec mon élévation, en contact avec mes bonnes nouvelles, en contact avec ma richesse, avec ma prospérité, avec ma santé, avec ma communion avec le Saint-Esprit. Alors délogeons ces gardiens inconnus qui se tiennent aux portes de nos journées et de nos vies. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Toi gardien inconnu, toi gardien que je n'ai pas envoyé, toi gardien diabolique venant des entrailles de l'enfer pour prendre possession des portes de ma journée, nous te délogeons au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Nous prenons contrôle sur toi et nous t'ordonnons de dégager. Ce n'est pas ta place, ce n'est pas ta journée. Cette journée est notre propriété privée, notre propriété exclusive, un don de Dieu pour nos vies. Et nous ne permettrons à personne de nous priver de la grâce et de la gloire de Dieu pendant cette journée de jeudi. Vous, gardiens maléfiques, gardiens des enfers, nous vous détruisons et nous vous ordonnons de quitter. Au nom précieux souverain de Jésus, nous prenons possession des portes de notre journée de jeudi et elle est bénie au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà, si tu as fait cette prière avec foi, crois dans ton cœur que le Seigneur t'a béni, que le Seigneur t'a exaucé et que les gardiens inconnus, les gardiens maléfiques, les gardiens diaboliques invisibles de ta vie, de ta journée, viennent d'être délogés et désormais tu es maître de ta journée de jeudi et tu profites. S'il y a des appels que tu attendais et que ces gardiens maléfiques retenaient, ces appels sont délivrés. Ça peut être un appel pour un emploi, un appel pour une bénédiction, dans tous les cas, un appel pour une promotion, etc. Un appel qui changera ta vie. Donc, vous savez que ces faux gardiens, ces mauvais gardiens, ces méchants gardiens, ces gardiens maléfiques, parfois remplacent les bons appels de la journée par des mauvais appels. Des appels qui sont capables de te donner un AVC. Des appels qui sont capables de te faire souffrir de frustration, de palpitations de cœur. Ce genre d'appels, nous les annulons. Tout appel vain, tout appel qui ne contribue pas à mon bonheur, à ma prospérité en cette journée, je bloque ces appels-là. Et les appels qui ont pour mission de bénir ma vie et que le diable avait retenu, je libère ces appels. Dans tous les cas, toute connexion diabolique, nous venons de l'anéantir au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant pour la santé. Que Dieu nous bénisse avec une santé de fer. Sans la santé, il est impossible vraiment de réaliser le projet de notre vie. Ceux qui sont malades en ces journées doivent être guéris. Peut-être vous me suivez, vous êtes connecté ce matin, vous êtes malade. Nous allons prier que Dieu vous guérisse. Il y a quelqu'un dans votre famille qui est malade. Priez avec nous ce matin que Dieu guérisse la personne. Dans tous les cas, quiconque est connecté à ce programme, maintenant et après, reçoit la guérison au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Père, inali klas manta udali filial wa inesma li kalfaros.
Adonai Tawa Inos Mate Ikali Filia No Arba. Père, nous donnons, nous prions au nom de Jésus-Christ que la santé soit notre partage. Nous refusons la maladie en cette journée et puis après aussi, nous refusons. Parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, non le temple de la maladie. Esprit de maladie, quelle que soit l'origine, quelle que soit votre virulence, nous vous chassons de nos corps, de nos maisons, de nos familles, de nos entreprises, au nom précieux et souverain de Jésus. Père, nous prions pour tous ceux qui sont malades, que la guérison divine leur soit donnée, que la santé divine leur soit donnée, qu'un miracle extraordinaire maintenant leur soit accordé. Que tout malade qui a la foi reçoive la guérison et la santé. Quelle que soit la maladie, j'ordonne, lève-toi de ton lit de malade et sois vivant. Sois en santé, sois plein d'embonpoint dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père et mon Jésus, merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que la guérison et la santé sont le pain des enfants. Béni soit ton nom au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as prié avec foi, tu viens d'être guéri. Le Seigneur vient de te restaurer de ta maladie. C'est fini. Lève-toi de ton lit de malade. Oublie que tu étais malade par la foi. Lève-toi au nom de Jésus-Christ et sois en santé. Le Seigneur vient te donner l'embonpoint. Crois en cela au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Tu es en santé. Je suis en santé. Confesse, je suis en santé. Quel que soit le nom de ta maladie, confesse, je suis en santé. Jésus-Christ m'a guéri. Pas ce maître. J'ai été guéri avant même d'être malade. Si tu confesses cela avec foi, alors automatiquement, tu viens d'être guéri et nous bénissons le Seigneur pour ton miracle. Nous bénissons Dieu pour cette grande récompense de foi qu'il t'a accordée dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis Amen à la maison et c'est établi. Donc, ce matin, nous allons entrer dans l'enseignement. Père, merci pour tous ces sujets de prière merveilleux, Seigneur, que tu as exaucé. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu te donne la force. S'il te plaît, partage la vidéo. Partage cette vidéo. Ces matinées sont des matinées bénies. C'est des matinées où le Seigneur nous donne l'abondance et la surabondance de sa grâce. Donc, sois connecté, s'il te plaît. Informe les membres de ta famille qu'il y a à la lumière des Écritures le matin pour bénir nos journées, pour prendre possession des portes de nos journées. C'est de lundi à vendredi, tous les matins, à partir de 6h à 7h. Il faut aussi dire, comme ça, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que tous les habitants de Douala, je suis à Douala, et donc ce soir, nous allons clôturer le premier round à partir de 16h au niveau de Ndokbon, derrière l'immeuble Kamlé, dans la chapelle de la congrégation baptiste camerounaise, la chapelle Réma, la paroisse Réma. Donc ne manquez pas, ce soir à partir de 16h. Sois là, s'il te plaît, parce que ce soir j'ai dit que je vais enseigner rapidement, et parce qu'il y aura beaucoup de délivrance, beaucoup de prières pour le peuple. On doit bénir le peuple, prier pour la délivrance, pour les malades, pour la guérison, la restauration, etc., etc. Ceux qui ont des problèmes, dans tous les cas, on doit rendre ministère au peuple. Ce soir, je dois prendre soin de toi par le Saint-Esprit, ou alors par le Saint-Esprit, à travers mes faibles mains, prendra soin de toi. Voilà, on va prier pour beaucoup de personnes en même temps, et que le Seigneur te bénisse comme tu viens, dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Les retardataires, s'il vous plaît, connectez-vous et partagez la vidéo. Avant de t'asseoir, partage la vidéo dans tes groupes et à tes amis. Fais connaître autour de toi, dans ton entourage virtuel, sur Facebook, Instagram, etc., que Jésus-Christ nous bénit chaque matin. Voilà. Et si vous nous suivez, vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, maintenant faites une pause et abonnez-vous. Ou alors, quand nous allons finir, abonnez-vous avant de partir au travail. Je bénis ta journée de travail au nom souverain de Jésus. Ça sera une journée de grâce, de succès, de réussite pour toi. Une journée bénie, une journée riche, riche en grâce, riche en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de briser les limites avec Jésus-Christ. Alors, au-delà des limites avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous avons fondé notre foi en tant qu'enfants de Dieu, mais qui n'étaient pas justes en réalité, qui n'étaient pas exactes sur le plan scripturaire. Et nous sommes en train de travailler pour briser aussi ces barrières-là, briser les barrières maléfiques, briser les barrières de la mauvaise mentalité qui nous a été donnée en héritage, briser aussi les barrières de la mauvaise compréhension des Saintes Écritures sur laquelle nous avons basé notre foi. Une mauvaise compréhension des Écritures va engendrer une mauvaise espérance, une mauvaise foi, une mauvaise foi, une mauvaise pratique, et une mauvaise pratique, la logorée spirituelle, c'est-à-dire la diarrhée spirituelle. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Et je veux que tu sois attentif. Vous savez que nous avons été enseignés que nous avons tout par grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et donc, que la grâce, c'est ce qui est gratuit. Voilà ce que nous connaissons. Et demandez à n'importe quel enfant de Dieu, c'est quoi la grâce? Il te dira que non, la grâce, c'est ce qui est gratuit. C'est le don gratuit de Dieu. La grâce, c'est le don gratuit de Dieu. Ce qui n'est pas faux.
Mais ce n'est pas une définition exacte de la grâce. Ce n'est pas une définition complète de la grâce. On va essayer de voir cela ensemble. La Bible dit, par exemple, la Bible dit que onomos dia mausios edote elihe charis kaite aletheia dia Jesu Christo egeneto. Comme vous lisez, c'est Jean 1, verset 17. Il dit la grâce, il dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ. Vous voyez. Il dit la loi, il dit onomos dia mausios edote. La loi nous a été donnée par Moïse, mais il dit charis. Et charis, mais la grâce, kaite aletheia, et la vérité, dia Jesu Christo egeneto, nous ont été donnés par Jésus-Christ. Donc, pour dire que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la grâce et avec la vérité. Maintenant, lorsqu'on parle de la grâce c'est quoi? Nous définissons la grâce comme étant le don gratuit de Dieu. Mais je voudrais vous parler de la non-gratuité de la grâce. La non-gratuité de la grâce. C'est une autre façon de voir la grâce que je vais vous enseigner, mais c'est à la lumière des Saintes Écritures. Vous vous montrez qu'en fait, en réalité, mes amis, la grâce n'est pas gratuite. Et qu'en Jésus-Christ, rien n'est gratuit en fait. Et on va voir cela ensemble ce matin. Il y a tellement de choses que nous allons faire. Parce que cette mentalité, cette définition de tout est grâce, qui signifie que tout est gratuitement donné par Dieu, et ça engendrait une sorte de d'avarisme. On est devenu grigou. Vous voyez, on est devenu de lardins et on est tombé ainsi dans la chicheté. Ça fait que les chrétiens commençaient à crier des chansons comme « Que te donnerai-je? Que te donnerai-je? Que te donnerai-je? Oh mon Dieu, toutes choses est bon que tu m'as donné. Que te donnerai-je? Oh mon Dieu. » Un chant comme celui-là ne devrait pas être chanté dans l'église. Vous voyez, c'est un chant de chiche. C'est un chant de personnes, de grigou, de personnes qui en réalité, se sont résolus de ne rien donner à Dieu et qui se sont résolus à tout recevoir de Dieu. Ça veut dire, elles n'ont rien donné à Dieu. Non, un homme a à donner à Dieu comme Dieu a donné à un homme. Comme tu reçois de Dieu, tu dois donner à Dieu. La Bible dit par exemple, Maudissez Méros, Maudissez Méros. Caïn ne vint pas au secours de l'Éternel parmi les vaillants hommes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois Dieu a besoin que je vienne à son secours. Il dit Maudissez Méros parce qu'ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel. Donc Dieu a besoin de l'homme. Dieu agit sur la terre, il agit au milieu des hommes, mais c'est à travers des hommes que Dieu agit. Donc à partir de ce moment-là, il y a une contribution que j'ai apportée pour que l'œuvre de Dieu soit efficace et qu'elle soit effective. Dieu ne descendra par exemple jamais lui-même pour construire une chapelle. Non, c'est par des hommes que Dieu intervient. Donc, et si tu dis non, vraiment, toute grâce, que te donnerai-je? Non, tu as beaucoup de choses à donner à Dieu. Tu peux lui donner ton cœur, tu peux donner à Dieu ton argent, tu peux lui donner ta possession, tu peux lui donner ton temps. Tu peux lui donner tes enfants, tu peux lui donner ta vie. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à donner. Tu peux donner ta voiture à Dieu, tu peux donner ta maison à Dieu. Mais cette mentalité de que te donnerai-je a fait en sorte qu'à l'église aujourd'hui, dans la foi que nous pratiquons, les chrétiens ne donnent pas l'argent à Dieu, ils ne donnent pas la maison à Dieu, ils ne donnent pas la voiture à Dieu. Moi, je n'ai jamais vu, depuis que je suis homme de Dieu, un chrétien dans notre ministère qui a donné une maison à Dieu, qui a donné sa voiture à Dieu, ou bien qui a donné certaines sommes à Dieu. Je n'ai jamais vu ça. Je pense que je n'ai pas encore vu un chrétien qui donne 5 millions, hein. 5 millions à Dieu, je ne crois pas. Sauf si j'ai oublié, mais je ne pense pas. Dans mon ministère, depuis que j'ai fait le ministère, ça fait 8 ans aujourd'hui, je n'ai jamais croisé un chrétien qui dise que voici, je donne 5 millions pour l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas encore vu ça. C'est-à-dire en cash, amener 5 millions comme ça, dit j'offre à l'église, je n'ai pas encore vu cela. Non, je pense que le plus grand montant, c'est 4 millions que j'ai déjà vu, mais pas 5 millions. Donc, je peux parler de 10 millions, 50 millions, 100 millions pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la note de que te donnerai-je. Tout est gratuit et tout est grâce. Et donc, je n'ai rien à donner à Dieu. Je dois tout recevoir de Dieu. C'est une mauvaise façon de voir. Nous allons voir que même la grâce dont nous parlons, qu'elle est gratuite, elle n'est pas en fait gratuite. Nous payons cher pour mériter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu se mérite. On va revenir là-dessus ce matin. On va revenir aussi là-dessus ce soir, à partir de 16h en Dogbon, dans le cadre de l'enseignement. Écoutez, les chrétiens doivent se rementaliser, entre guillemets. Je ne sais pas si le mot rementaliser est vraiment dans le dictionnaire, mais même si ce n'est pas dans le dictionnaire, on peut le faire. Hein. En français, il y a une figure de style qu'on appelle la forgerie, qui est la capacité d'inventer un mot dont tu es bloqué pour exprimer ta pensée. Vous savez que les pères du panafricanisme, surtout Séda Senghor, a beaucoup utilisé cette figure de style qu'on appelle la forgerie,
Par exemple, il parle de la tigritude, la négritude. C'était des mots qui n'existaient pas en français, mais qui aujourd'hui sont employés dans la lexicologie française. La terminologie de Sida Senghor qui est devenue aujourd'hui participante à la lexicologie générale de la langue française. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais tout simplement dire que nous avons eu une fausse conception de la foi qui nous a poussés à adopter une fausse attitude vis-à-vis de la responsabilité chrétienne. Notre responsabilité est grande, mais ça fait longtemps que nous l'avons abandonnée à cause du mauvais enseignement qui nous a été donné. Nous avons été mal formés, nous avons été déformés par les enseignements qui nous ont été donnés. Nous allons commencer par lire un verset d'abord. On va lire deux principaux versets, peut-être un troisième verset, par la grâce de Dieu. Donc, la Bible dit ceci, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Commençons par là parce que c'est d'abord le passage fétiche qui définit la foi. Il dit, je vais lire en grec et expliquer en français. La Bible dit, c'est pour ça que je dis, prends ton cahier. Il y a des mots grecs que tu dois noter pour pouvoir être capable demain de les expliquer mieux quand tu expliques la Bible. Parce que celui qui lit la Bible en français, l'explique en français, ne comprend pas bien le sens, ne comprend pas tout le sens. Il ne tire pas le trésor de tout le verset, de tout le passage. Il dit, Tegar kariti, este sesos menoi, diapisteos. Il dit que, car par grâce, vous êtes sauvés au moyen de la foi. Tegar kariti este sesos menoi dia pisteos. Il dit, car vous êtes sauvés par grâce, mais au moyen, au prix de la foi. Dia, quand on parle de dia, dia veut dire à travers, ou bien au prix de. Grâce à ou au moyen de. Donc, ça veut dire quoi? Il dit que vous êtes sauvés par grâce, mais au prix de la foi. Donc, celui qui lit en grec, il dit dia pisteos, au prix de la foi. Il dit kai touto ouk ek humon. Cela ne vient pas, ou ex humon, cela ne vient pas de vous. Teu to doron, c'est un don de Dieu. Donc, vous êtes sauvés par la foi, en payant le prix de la foi. Donc, à partir de ce moment, pour quelqu'un qui lit attentivement, il comprend clairement ici que le grec explique que le salut est gratuit, mais nous payons. En fait, je pense qu'il y a une figure de style que je suis en train de chercher, qui manifeste le contraire. Je ne sais pas si c'est la contradiction, ou bien si c'est l'oxymore, qu'on appelle encore l'oxymoron. Ça doit être l'oxymore, ou bien l'oxymoron, je ne sais pas si c'est ça. Écoutez, donc si tu es littéraire, tu peux m'aider à me donner ce sujet, cette figure de style qui dit une chose et son contraire. Par exemple, il dit, venez acheter gratuitement. Hein? Il parle du vin, du salut. Il dit, venez acheter gratuitement de mon vin. Tu ne peux pas acheter en même temps, c'est gratuit. Vous voyez? C'est comme, c'est de, je sais pas si c'est l'antinomie, l'antinomie. L'antinomie, non, non, l'oxymoron, ou bien, ok, l'oxymoron, l'oxymore, je crois que ça doit être ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il dit, venez et achetez gratuitement. Ou alors, c'est un peu comme lorsqu'on dit, je suis, quelle est l'image ici que je veux donner? Il y a une image que je veux donner. Ok. Il dit, vous êtes sauvés gratuitement. Gratuitement, au prix de la foi. Ça veut dire qu'en payant avec la monnaie de la foi. Comme pour dire quoi? Le salut d'un enfant de Dieu est gratuit, mais en même temps, il paye un prix. Et ce prix, c'est de croire. C'est la foi. Et donc, ça veut dire que ce n'est plus gratuit. Il faut avoir la foi. Si je ne crois pas, je n'ai pas part à la grâce. Si je crois, j'ai pas la grâce. Alors, ça veut dire que à la fin, la grâce est conditionnée. C'est l'oxymore, merci. Merci à Kelly Bella. C'est l'oxymore ou l'oxymoron. Donc, il dit que nous sommes sauvés gratuitement. Il dit, Tegar kariti, este sesos menoi, diapisteos. Vous êtes sauvés par la grâce. Vous êtes sauvés par grâce ou bien gratuitement, mais au prix de la foi, en payant avec la foi. Ça veut donc dire que la grâce n'est pas donnée à tout le monde. C'est pour ça que tout le monde n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que tout le monde ne croit pas. Donc, s'il n'y a pas
croyance, s'il n'y a pas la foi, vous ne pouvez pas être sauvé. Maintenant, regardons. On a vu ce que c'est que la grâce. Hein? Il dit, Tegar Kariti, vous êtes sauvé par grâce. Lorsqu'on parle de Kariti, Kariti signifie grâce, ou bien la faveur, ou bien la bonté. Vous voyez? Ou bien un don ou une bénédiction apportée à un homme par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la grâce. Une bénédiction ou une grâce apportée à un homme par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit donc, « Tegar kariti, este sesos menoi, vous êtes sauvés par grâce. » Maintenant, quand on dit le mot « sauvé », vous êtes sauvé, le mot « sauvé » vient du grec « sozo ». Sozo, qui signifie littéralement être guéri, être préservé, ou bien être secouru, être délivré complètement des œuvres de Satan. Il dit, Hegar kariti este sesos menoi. Et il dit, dia pisteos, par la foi. Dia pisteos, à travers la foi, au prix de la foi. Maintenant, la foi, le mot foi ici vient du mot grec pistis. Tu peux noter ça à la maison. Le mot foi vient du mot grec pistis, qui veut dire quoi? La foi, qui veut dire la croyance, qui veut dire la confiance en Dieu, la croyance en Dieu, croire en Dieu, faire confiance en Dieu ou bien la fidélité à Dieu. Vous voyez, la fidélité à Dieu ou bien la fidélité à quelque chose. C'est ça le mot pistis qui a donné foi en français. Donc, il dit que vous êtes sauvés par la foi. Vous êtes sauvés gratuitement, mais en payant le prix de la foi. Et dit, cela ne vient pas de vous. Kai tuto uk ex humon, cela ne vient pas de vous. Teyu te doron, cela est un don de Dieu. C'est un don, mais pour avoir accès à ce don, j'ai un prix à payer. Ce prix, c'est de croire. C'est de croire en Dieu. C'est d'accepter Dieu. C'est de faire confiance en Dieu. Donc, si quelqu'un ne fait pas confiance en Dieu, il ne peut pas avoir part à la grâce. À partir de ce moment, il y a une condition pour avoir accès à la grâce. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y a une condition. La grâce n'est donc plus gratuite. La grâce n'est pas gratuite comme tu penses. La grâce a un prix qu'il faut payer. Et le prix qu'il faut payer pour avoir accès à la grâce de Dieu dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, dans ta marche chrétienne de tous les jours, le prix que tu dois payer, il y a une monnaie que tu dois payer. Ce n'est pas l'euro, ce n'est pas le dollar, ce n'est pas le franc CFA. Cette monnaie s'appelle la foi, la croyance, la confiance ou l'intégrité à croire que Dieu est ton Dieu et à croire que Dieu est là et que tout ce qui est de ta vie et la grâce que tu dois recevoir doit être payé par la foi en Dieu. Ceux qui n'ont pas la foi en Dieu ne méritent pas sa grâce. À ce moment, la grâce n'est plus un don gratuit, c'est un don qui est gratuit en lui-même, mais pour entrer en possession avec ce don, il faut croire. Donc, ceux qui ne croient pas n'ont pas la grâce. Si la grâce était donc un don gratuit de Dieu donné à l'humanité, toute l'humanité aurait eu accès à la grâce de Dieu. Mais la grâce est réservée à une catégorie de personnes. Cette catégorie, c'est la catégorie de ceux qui croient en Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous n'avez pas droit à sa grâce. Donc, mes amis, la grâce n'est pas gratuite. C'est ça la conclusion logique. La grâce n'est pas gratuite. Tu peux dire à la maison, à ton voisin, la grâce n'est pas gratuite. Il y a un prix. Il y a une monnaie pour acheter la grâce. La grâce s'achète. La grâce s'achète. La grâce s'acquiert au prix de quelque chose. Et cette chose-là, c'est la foi. Ceux qui doutent de Dieu ne méritent pas sa grâce, ne peuvent jamais profiter de sa grâce. Ceux qui remettent en cause la foi chrétienne ne peuvent pas bénéficier de sa grâce. Non, Dieu ne leur fait pas participer à sa grâce. Non, ceux qui méprisent le nom de l'Éternel sont disqualifiés de la grâce de Dieu. Donc, on se qualifie à la grâce. Et la qualification, c'est la foi. Si tu ne crois pas, tu ne mérites pas la grâce. Tu n'auras pas part à la grâce. Donc, la grâce n'est pas gratuite. La grâce s'achète. La grâce a un prix. La grâce de Dieu a un prix. Et il faut comprendre cela. Je viens quelque part. On est en train d'aller quelque part. Hein. C'est l'introduction. Et suivez-moi le soir à partir de 16h. Parce que ce sera la suite de cet enseignement. C'est très sérieux ce que nous sommes en train de dire. Les chrétiens pensent que tout est gratuit. Seigneur, je n'ai rien à te donner. Tu as tout à donner à Dieu. Hein? Pour mériter la grâce de Dieu dans ta vie, il y a tellement de choses que nous demandons à Dieu. Dieu ne nous donne pas ces choses-là parce que nous ne payons pas le prix. Nous ne payons pas le prix pour accéder à ces choses-là. Donc, il y a un prix pour tout. Maintenant, laissez-moi vous montrer une chose. Une autre vérité que la Bible donnera en ce qui concerne
la non-gratuité de la grâce de Dieu. La grâce n'est pas gratuite, elle n'est pas comme tu pensais là. Il y a un prix que tu dois payer pour avoir la grâce. Allons dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Voilà. La Bible dit, Choris de pisteos, adunaton euarestesai. Il dit, sans la foi, adunaton, il est impossible euarestesai de lui être agréable. Je vais te montrer quelque chose. Il dit, Choris de pisteos, or, sans la foi, adunaton euarestesai. Restez saï. Il est impossible de lui être agréable. Je vais vous montrer quelque chose ici dans le verset ci. Avant d'y arriver, vous comprendrez avec moi déjà, vous conviendrez avec moi que pour plaire à Dieu, la Bible dit qu'il est impossible de lui plaire si on n'a pas la foi. Pour plaire à Dieu et que je n'ai pas la foi, il est impossible de lui plaire sans la foi. Or, vous savez que pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, sa grâce par exemple, il faut lui plaire. Il faut que Dieu soit d'accord avec vous. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Maintenant, lorsque la Bible dit, il dit, Choris de pisteos, sans la foi, dans adunaton, il y a dunamis. Adunaton, ça veut dire qu'on ne peut pas recevoir la capacité, la puissance, on ne peut pas avoir le pouvoir d'être agréable à Dieu. Donc, pour être agréable à Dieu, il y a un pouvoir. Et pour avoir ce pouvoir, il faut avoir la foi. Donc, les faibles ne plaisent pas à Dieu. C'est ce que le grec dit. Hein. Adunaton veut dire, et je vais interpréter ça littéralement par le mot empuissanté, qui n'est pas français bien sûr, mais en grec c'est ce que ça signifie, empuissanté. C'est-à-dire que sans la foi, on ne peut pas recevoir la puissance qui nous rend capable d'être agréable à Dieu. C'est ça, Adunaton, Dunamis ou Dunataï, ça veut dire Adunaton, empuissanté, recevoir la puissance en nous-mêmes, à l'intérieur de nous, voir une puissance naître en nous. Donc pour plaire à Dieu, il faut une puissance, une puissance. Et cette puissance-là vient lorsqu'il y a la foi. Mais si quelqu'un ne croit pas, il ne peut pas plaire à Dieu. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas plaire à Dieu, il ne peut pas être agréable à Dieu, il ne peut pas participer à la bénédiction de Dieu. Dans tous les cas, il est coupé du royaume de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui ne croient pas ne bénéficient pas de ce qui appartient à Dieu. C'est pour ça que vous verrez que nous sommes par exemple guéris par grâce. Quand tu vas à l'église, la guérison divine, c'est une grâce de Dieu. Mais quand quelqu'un arrive et qu'il ne croit pas, il n'est pas guéri. Ce n'est donc plus une grâce gratuite. Parce qu'il doit payer un prix, c'est la foi. Si un malade n'a pas la foi, il ne peut pas être béni, il ne peut pas être guéri. Si un célibataire n'a pas la foi, il ne peut pas recevoir la grâce du mariage. Le mariage venant de Dieu est une grâce en soi-même. C'est-à-dire que c'est une grâce. On ne paye pas l'argent pour que ce mariage puisse devenir une grâce. C'est ça en fait. Mais ce n'est pas qu'on ne paye pas un prix pour que ce mariage vienne à nous. Non, on ne paye pas un prix pour que le mariage venant de Dieu soit un don de Dieu. C'est-à-dire que dans la valeur intrinsèque de la bénédiction que j'attends de Dieu, pour que cette bénédiction soit à ma disposition, je n'ai rien payé. C'est-à-dire que pour qu'elle soit, non, pas à ma disposition, pour qu'elle me soit prédestinée, je n'ai rien payé. Parce que c'est simple la technique dans la définition ici. Pour qu'elle soit prédestinée à ma personne, je n'ai rien payé. Mais pour qu'elle vienne jusqu'à moi, j'ai un prix à payer. Il y a un acte que je dois poser. Voilà pourquoi, ici dans Hébreux 11, le verset 6, Hébreux 11, verset 6, il dit, Choris de pisteos. Or, sans la foi, adunaton euarestesai. Il est impossible d'avoir la puissance de plaire à Dieu. Maintenant, laissez-moi vous montrer une chose. Et dans le mot ici là, euaresteo, veut dire donner plaisir. Par exemple, plaire à quelqu'un. Mais c'est aussi rendre service avec conviction et avec foi. C'est ça que je voulais te montrer. Rendre service avec conviction et avec foi. Euaresteo. Choris de pisteos adunaton euaresteai. Sans la foi, il est impossible de lui de recevoir la puissance qui nous mène à lui plaire. Et il dit eaurestesai vient de eaurestesio. Qui veut dire rendre service pour plaire à quelqu'un. Et ce service-là est mêlé de la conviction et de la foi, de la croyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut rendre service même à Dieu. Tu peux être en train de rendre service à Dieu sans croire et tu ne seras pas agréable à Dieu. Donc, ce n'est pas le service rendu à Dieu, ce n'est pas les œuvres posées.
qui te rend agréable à Dieu, mais c'est la foi à l'intérieur des œuvres que tu poses. C'est ça que parfois vous verrez les gens qui font des grands sacrifices apparemment, mais il y a le doute en eux. Et puis, il n'y a pas de résultat. Dieu ne réagit pas à leur service rendu parce qu'il n'y a pas la foi. Donc, la question même n'est pas au niveau des œuvres. Quand vous lisez en grec, ce n'est pas les œuvres. Non, il peut avoir les œuvres sans la foi. Il faut que dans tes œuvres, il y ait la foi. Sans la foi dans tes œuvres, tu ne peux pas avoir part à la grâce de Dieu. Donc, mes amis, il y a un prix. Il y a un prix que nous devons payer. Un enfant de Dieu qui ne croit pas en Dieu, même s'il est zélé, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que le grec signifie ici, même s'il est zélé à l'église, même s'il va à l'église tous les jours, n'aura pas part à la grâce de Dieu parce qu'il n'a pas payé le prix de la foi, il n'a pas utilisé la monnaie spirituelle qui est la foi. Voilà pourquoi, pour avoir part à la grâce, il faut avoir la foi. La grâce est gratuite en elle-même, mais pour la posséder, il faut payer le prix de la foi. Aujourd'hui, nous sommes dans une église qui n'a pas compris la vraie définition de la grâce. Et qui ne comprend pas qu'il y a des œuvres qu'il faut poser pour avoir, pour mériter la grâce de Dieu. À partir de ce moment, les œuvres, si sont l'expression visible de la foi invisible en nous, il n'y a pas de foi sans œuvre. Il n'y a pas de foi sans œuvre. Et je vais revenir ce soir sur le mystère des œuvres de la foi. Il n'y a pas de foi sans œuvre. Je vais vous donner une petite définition, hein, une petite définition. Je vais vous donner un exemple. Et on va lire, et puis on va prier. Écoutez, mes amis. Tout chrétien qui ne pose pas des œuvres dignes de sa foi n'a pas la foi. Il n'existe pas de foi muette. La foi n'est pas stérile. La foi a des fruits. La foi, lorsqu'elle est présente quelque part, engendre toujours des fruits. Elle est invisible, mais ses enfants sont visibles. Quelqu'un qui a la foi, vous le verrez par ses actes. La foi se traduit par le genre de vie que tu mènes. Le genre... Bon, maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Regardez. Nous sommes sauvés gratuitement. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort sur la croix gratuitement. Et je suis sauvé. Pourquoi? Parce que Christ est mort sur la croix pour moi. Et la Bible dit que nul ne peut dire qu'il est sans péché. Si quelqu'un dit qu'il est sans péché, il ment. Mais cependant, la Bible dit que nous sommes saints. Nous sommes des saints. On nous appelle des saints. Nous sommes des fidèles. Pourquoi on nous appelle des saints? Parce que la sainteté de Christ nous a été octroyée. C'est un héritage. Sur la croix, nous avons pris l'héritage de la sainteté de Christ. Et quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas, il ne nous juge pas à travers nos actions, à travers notre vie, à travers notre humanité. Je veux rectifier. Pas qu'il ne nous juge pas à travers nos actions, il nous juge à travers nos actions. Mais quand Dieu nous voit en Christ, il nous voit à travers Christ, à travers la croix de Christ. Un peu comme si nous étions derrière la croix. Et c'est la sainteté de Christ qu'il voit en nous. C'est la justice de Christ qu'il voit en nous. Et donc, les œuvres que Christ a posées me sauvent et m'octroie le salut gratuitement. Mais maintenant, pour que ce salut soit actif en moi, il faut que moi aussi, comme Christ, je produise des œuvres dignes de la foi, dignes du salut, dignes de la repentance. À partir de ce moment, on peut voir cela par ma vie de sainteté, ma vie de sanctification, mon effort à mener une vie de droiture, une vie d'intégrité, une vie loin du mensonge, une vie loin du vol, etc. Moi qui étais prostitué, je ne suis plus prostitué. Ces œuvres-là prouvent que j'ai la foi. Parce que la foi produit des œuvres. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de foi sans productivité en œuvre. Celui qui croit que Dieu est Dieu respectera aussi les commandements de Dieu. C'est ça, avoir foi en Dieu. Donc, la foi n'exclut pas ma responsabilité chrétienne. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont exclu le sens de la responsabilité. C'est-à-dire que les gens pensent que okay, la foi, la grâce de Dieu, ça veut dire que je vis n'importe comment et j'ai la grâce de Dieu. C'est aussi pour cela que nous sommes parfois frustrés. Il y a des choses que tu attends de Dieu depuis des années et Dieu te pose la condition que si tu n'abandonnes pas telle mauvaise vie, tu n'auras pas accès à telle dimension de bénédiction. La bénédiction a un prix. Le prix de la bénédiction, c'est la foi et la manifestation de la foi, c'est les œuvres. Ça veut dire que tu dois abandonner telle chose, tu dois être conditionné. Dieu te conditionne. La grâce a un conditionnement. La grâce a des conditions. Pour accéder à la grâce, il y a un prix, il y a des conditions. La grâce n'est pas gratuite, mon ami. Elle a un prix, elle a des conditions. Il faut comprendre cela. Donc, pour avoir une certaine bénédiction, Dieu te dira, abandonne le péché. Frère, c'est un prix gratuit. Tu ne peux pas me dire que, ok, tu me donnes quelque chose gratuitement, tu m'imposes en même temps des conditions que je dois respecter d'abord. Et si tu n'abandonnes pas ce péché, tu n'as pas accès à cette bénédiction. Ce n'est plus gratuit. Il y a un prix qu'il faut payer. Et ce prix-là, quand tu abandonnes cette mauvaise vie, par exemple, il y a une bouteille comme celle-ci, tu veux par exemple le mariage, et le Seigneur te dit, ok, ma fille, vraiment, je n'ai pas de problème. Tu veux le mariage, je te donne le mariage. Mais avant que je te donne le mariage, abandonne d'abord la bouteille-ci. Ne bois plus cette eau. Ce n'est plus gratuit. Ce n'est plus gratuit, mon ami. Ce n'est pas gratuit. Si par exemple, tu me dis que viens, je vais te donner, quel exemple je vais te donner même? Je vais te donner une chambre gratuitement.
Et j'arrive chez toi avec ma voiture et tu me dis que, ok, vraiment, voici la chambre, elle est gratuite. Mais avant d'entrer dans cette chambre et de prendre position à la chambre là, prendre position de la chambre, donne-moi ta voiture d'abord. Mon ami, ce n'est plus gratuit. On ne peut pas parler de gratuité. Donc il faut comprendre ce que gratuit signifie vis-à-vis de la grâce. La grâce en elle-même est une gratuité. Mais pour la posséder, il faut payer. Il y a un prix à payer, mes amis. Donc, c'est pour ça que les bénédictions de Dieu sont gratuites. Mais pour les posséder, il faut les mériter. Il y a des actes qu'il faut poser pour mériter la bénédiction de Dieu. Par exemple, tu veux un mari, et Dieu te dira, ok, comme tu veux le mari, il n'y a pas de problème, mais Dieu te met un mari, le Jacques que tu aimes là, le Jacques géant, basketteur, je ne sais pas, un peu velu, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu veux, mais dans tous les cas, si c'est ton rêve, et Dieu te donne le Jacques là, le gars là, avec la Jordan, puis avec les demi-culottes, et puis le demi-pantalon, c'est comme tu veux. Mais Dieu te dit, il faut abandonner la vie de fornication. Abandonne d'abord ta vie de prostitution. Tu dis, ah, ok. Comment, Seigneur? Mais tu as dit, c'est mon mari, donne-le-moi. Dieu te dit, oui, tu vas le prendre, mais à condition que tu le sanctifies. Vous voyez? Ce n'est plus gratuit. Il y a un prix que tu payes. Et tu ne peux pas obéir en te sanctifiant si tu n'as pas la foi. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne lui fais pas complètement confiance. Tu ne peux pas abandonner quelque chose que Dieu te pose comme condition pour accéder à une certaine grâce supérieure si tu n'as pas la foi. Voilà pourquoi le prix pour accéder à la grâce de Dieu, à la bénédiction de Dieu, à l'élévation qui vient de Dieu, c'est la foi. Il y a un prix à payer. Il y a des œuvres, il y a des actes que tu dois poser. Maintenant, nous allons lire par exemple dans Luc chapitre 7, gloire à toi Seigneur. On va lire la version française parce que c'est un long texte. Luc chapitre 7, à partir du verset 1. Je vais vous montrer un exemple. Luc chapitre 7. À partir du verset 1. La Bible dit, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaüm. Un centenier avait un serviteur auquel il tenait, il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser maintenant, mais le Seigneur te fera grâce. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite, écoute bien, il mérite que tu lui accordes cela, mon Dieu. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il mérite. Pourquoi? Parce qu'il aime notre nation, c'est un prix qu'il paye, et il a bâti notre synagogue, il aime notre nation et il n'aime pas seulement avec la bouche, mais il a bâti une synagogue. Et la Bible dit, ils arrivent auprès de Jésus et lui adressaient d'instances supplications. On ne peut pas adresser d'instances supplications à quelqu'un si la personne n'a pas refusé. C'est-à-dire que Jésus-Christ a refusé d'aller dans la maison de cet homme parce que c'était un païen. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Donc, écoutez, Jésus ne voulait pas aller chez cet homme. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme aille, et que Jésus aille dans sa maison? C'est lorsqu'on dit à Jésus qu'il aime notre nation. Jusque-là, Jésus ne parle pas. Mais quand on dit à Jésus que la synagogue où tu viens de prêcher, c'est lui qui a construit cette synagogue à cause de cette œuvre. Jésus a dit, amenez-moi chez lui. Et Jésus-Christ a pris la voie. Ça montre l'importance que Dieu attache aux œuvres de la foi. Cet homme avait foi au Dieu d'Israël, étant païen. Normalement, Jésus n'entrait pas dans la maison des païens. Mais Jésus-Christ était sur le point d'entrer dans la maison de cet homme. Non pas parce qu'il croyait avec la bouche seulement, non pas parce qu'il aimait. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous aimons Dieu avec la bouche. La Bible dit, Dieu lui m'a dit, ce peuple m'honore, il m'honore du bout des lèvres. Ce peuple même du bout des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Pour savoir que ton cœur est dans l'œuvre de Dieu, hein, c'est tes actes qui justifient que ton cœur est dans l'œuvre de Dieu. Je te dis la vérité. Même le Seigneur Jésus-Christ a dit, où est ton trésor, là sera ton cœur. Et un enfant de Dieu dont le cœur est dans la maison de Dieu, tout ce qu'il a, c'est d'investir dans la maison de son Dieu. On voit
Depuis que tu es à l'œuvre, dans l'œuvre de Dieu, tu n'as jamais dépensé quelque chose qui te coûte pour Dieu. Tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes du bout des lèvres, mais ton cœur est éloigné de lui. Là où ton cœur est, tu dépenses. Dans tes mèches, oui, tu dépenses. Ton trésor, c'est tes mèches. Tu dépenses dans des grands voyages. Tu vas à Kribi. Tu payes l'hôtel là-bas combien? Tu manges combien là-bas? Tu dépenses combien lorsque tu vas en vacances à Kribi? Ton cœur, ton trésor, c'est là-bas, dans les voyages, ce n'est pas en l'éternel. Parce que dans la maison de Dieu, tu es incapable d'enlever les mêmes sommes pour le voyage. C'est-à-dire que la somme que tu enlèves pour payer le billet d'avion, pour aller passer tes vacances à Dubaï, tu n'as jamais sorti une offrande qui soit équivalente juste au billet d'avion pour aller à Dubaï. Je ne dis pas avec l'hôtel que tu payes à Dubaï, les voyages là-bas à Abu Dhabi, ou bien ce que tu payes pour manger, pour aller dans les grands malls là-bas à Dubaï. Tu n'as jamais pris l'argent de tes vacances à Dubaï. Tu dis, j'annule les vacances à Dubaï. Le billet d'avion, ce que je paye pour les hôtels, ce que j'allais dépenser dans les malls, les achats que je devrais faire, tout ça, je prends tout ça et je vais donner dans la maison de l'Éternel. Tu n'as jamais fait ça. Jamais. Des enfants de Dieu qui n'ont jamais donné 10 000 à Dieu depuis des années, des dizaines d'années que tu es chrétien. Tu n'as jamais donné 10 000 à Dieu. Dieu t'a donné des millions. Tu n'as jamais donné 10 000. Tu n'as jamais donné 100 000. Tu n'as jamais donné 1 million à Dieu. Tu n'as jamais donné 10 millions de tous les millions que Dieu t'a donné. C'est une honte. Cet homme était un païen. Mais la loi qui disait que Jésus n'entre pas dans les maisons des païens, vous savez qu'une femme a aussi dit que oui, je vais aller. Jésus lui a dit qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiennes. Il a appelé chienne. Hein? La femme s'est battue. Cet homme, quoique étant un chien, entre guillemets, Jésus-Christ est allé dans sa maison. Pourquoi? À cause des œuvres de sa foi. Il n'aimait pas du bout des lèvres seulement. Et laissez-moi vous choquer même. Les gens qui accompagnaient cet homme, hein, qui accompagnaient Jésus dans la maison de cet homme, parce que la Bible dit que Jésus s'est arrêté, il s'est tourné vers la foule. Les gens là qui l'accompagnaient, c'était des Juifs. Hein, mais Jésus n'est pas entré dans la maison des Juifs. Parce que le peuple de Dieu lui-même disait, on t'aime, mais personne n'avait jamais construit une seule synagogue. Aucun d'eux n'avait construit une synagogue. C'était eux juifs, les juifs. Ils prétendaient être les juifs, c'est eux les propriétaires de Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient dépositaires de la loi de Moïse, c'était les enfants de Moïse. Mais aucun d'eux n'avait jamais trouvé que Dieu, son Dieu était capable qu'il prenne son argent pour construire une synagogue seule pour Dieu. C'est un païen qui a fait cela. C'est cela que les païens vont nous devancer dans le royaume de Christ demain. Je vous dis la vérité, nous nous vantons d'aimer Dieu. Tu viens à l'église, tu bouscules les gens, tu vois quelqu'un s'asseoir sur ta chaise. Tu prends un long foulard sale même pour attacher la chaise avec quelqu'un veut s'asseoir, tu le bouscules pour montrer que tu aimes Dieu. Mais tu as l'argent dans ton porte-monnaie que tu es incapable de sortir pour investir dans la main de Dieu. Voici le numéro Orange Money que nous avons donné ici là. Les gens ne font pas de transfert Orange Money, jamais. Les gens suivent. Mais tu vas prendre l'argent, tu finis. Je prie, je bénis ta journée. Et le Seigneur te bénit. Et tu prends ton argent pour voyager avec. Tu ne penses pas que non, l'œuvre de Dieu a besoin de quelque chose. Vraiment, les hommes de Dieu, s'ils se sacrifient comme ça là, ils ont besoin de financement pour que l'œuvre de Dieu avance. L'œuvre de Dieu ne peut pas avancer sans argent, sans les offrandes, sans les actes. Si cet homme n'était pas là, est-ce que les gens allaient se rassembler pour aller adorer dans ces synagogues? Ils n'avaient même pas honte. Quelqu'un s'assoit, mais il se vante, mais il croise même les pieds comme s'il a participé 5 francs. Tu n'as pas honte d'être chrétien dans un ministère. Tu n'as jamais participé à construire l'église où tu es. Tu n'as jamais acheté une chaise. Tu n'as jamais acheté un rideau. Tu n'as jamais acheté un instrument. On cotise depuis des années, tu n'as jamais participé, honte à toi, tu n'as jamais aimé Dieu. Tu n'as jamais aimé Dieu, tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas du tout. Tu es un ennemi de Dieu, je te dis la vérité, excuse-moi, mais tu es un ennemi de Dieu. Ceux qui aiment Dieu agissent. Non, montre-moi ta foi sans œuvre et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Une foi sans œuvre est une foi morte, elle est une foi stérile, elle ne sert à rien. Celui qui aime donne, c'est la même chose avec les hommes. Quand tu épouses une femme, quand un homme aime une femme, il dépense pour cette femme. Qu'un homme ne dépense pas pour toi, il ne t'aime pas. C'est ça la vérité. Celui qui aime dépense. Celui qui aime donne. Et c'est celui qui donne à Dieu, Dieu lui donne aussi. Dieu est comme ça. Dieu est un capitaliste. Capitaliste, je te dis, Dieu te donne quand tu lui donnes. Donc, voici, j'espère que ta mentalité va changer. On va continuer ce soir à partir de 16h. Pour ceux qui veulent envoyer leurs offrandes par Momo, ça, c'est les deux numéros par moment que vous pouvez utiliser. Si on vous envoie d'autres numéros sur Messenger, tout ça, faites attention. Prenez le numéro que je vous donne en direct. Plus 237 672 1303 23. Plus 237 672 1303 23. Et puis, Orange Money, c'est plus 237 692 40 71 86. 692 40 71 86. Et MTN, c'est 672 13 03 23. 672 13 03 23. Orange Money, 692 40 71 86. Vraiment, tu veux changer, tu changes. Ça te regarde. Avec ou sans toi, avec ou sans ton offrande, le Seigneur fera avancer sa maison et son œuvre
Nul n'est indispensable si tu prends à cœur le Seigneur te bénit. Donc nous allons ouvrir le standard, comme j'ai promis hier, on va prier pour plusieurs personnes ce matin. Et donc c'est ça, frère, notre responsabilité. Donc connecte-toi le soir pour la continuité hein, de cet enseignement, parce que ça sera chaud ce soir. Donc le numéro MTN, c'est le plus 237 672 1303 23. Et tu peux appeler à ce numéro rapidement et puis nous allons prier avec toi. Et comme tu le fais, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. On va prendre, j'ai dit, s'il vous plaît, ceux qui sont au pays, au Cameroun, appelez, après je dirais, n'appelez pas par WhatsApp, je ne veux pas prendre. WhatsApp, nous laissons WhatsApp pour ceux qui sont à l'étranger, s'il vous plaît. WhatsApp, c'est pour nos frères et nos soeurs qui sont à l'étranger et qui dépensent beaucoup pour pouvoir appeler. Donc, tu peux appeler à mon numéro WhatsApp immédiatement. On va prendre des appels directs ici. Allô, bonjour. Tu donnes ton Bonjour, témoignage papa. et ton sujet de prière. Tu nous dis d'abord comment, ce que tu as retenu. Bonjour. Oui, bonjour, papa. Voilà, qu'est-ce que vous avez J'ai retenu de cet retenu, enseignement? j'ai retenu le problème de la foi et la grâce. Oui. Oui, et que nous devions changer de nos comportements, notre façon de vivre, notre façon d'aimer Dieu. Oui, nous devions changer, papa. Bah, gloire à Dieu. Vous avez un témoignage ou un sujet de prière? C'est un sujet de prière, papa. Bah, allez-y rapidement. Papa, il y a un monsieur à qui j'ai remis une somme de 3 millions. Parce que il disait qu'il voulait donner le travail à mes enfants. Papa, aujourd'hui, ça fait 3 ans. J'ai pas de travail. Je n'ai pas de. Les enfants n'ont pas de travail. D'accord. Je n'ai pas la. Père, merci pour ma soeur. Que ces 3 millions soient libérés au nom précieux de Jésus et que cette libéralité lui soit accordée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Papa, ce genre de choses nous arrivent parce que nous ne sommes pas fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes. Et comme ton argent, tu ne veux pas investir pour Dieu, pour son œuvre et pour bénir son peuple, Dieu fait en sorte que quelqu'un vient, un dévoreur. Il envoie le dévoreur et le dévoreur va venir et il va arracher ta richesse. Il va prendre ça et puis il va s'en aller avec pour t'apprendre que tes biens ne t'appartiennent pas. Il faut associer Dieu à ta bénédiction. Donc c'est important de savoir cela. Celui qui est fidèle dans ses offrandes, dans ses dîmes envers la maison de son Dieu, cette personne-là, le dévoreur ne touche pas à ses biens. Le Seigneur garde la personne. Oulala. Les appels WhatsApp, j'attends hein, vraiment. Allô, bonjour. Oui, bonjour papa. Oui, bonjour à vous. Oui, je vous appelle qu'est-ce que vous avez retenu depuis déjà Douala. Du message de ce matin? Oui, j'ai retenu que la grâce n'est pas gratuite. La grâce est un héritage et pour la mériter, il faut avoir la foi, il faut croire. D'accord. Vous avez un sujet de prière ou un témoignage? Un sujet de prière, papa. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, papa, j'ai ma petite cousine. Elle a pratiquement 2 ans. Elle est muette. Elle est sourde. Elle n'entend pas, elle ne parle pas. Vous êtes en Nous sommes pas. Je suis à Douala. Ok, passez ce soir en bon avec elle, s'il vous plaît. On va prier pour elle. D'accord, oui. Seigneur, merci pour la guérison de cet enfant. Elle vient ce soir. Merci parce que ta main puissante la touche. Ses oreilles s'ouvrent et sa bouche, sa langue est déliée au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur te bénisse. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Pourquoi les gens n'appellent pas sur WhatsApp? Je vois seulement les appels manqués. Allô, bonjour. Bonjour. Ok, la personne est partie. Allô, WhatsApp. Oh, c'est que les appels nationaux sont tellement nombreux que ça peut les appeler WhatsApp. Ok, on va chercher ici WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. J'appelle. Oui, ce que j'ai retenu. Oui, j'appelle depuis la Belgique. D'accord. Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, j'ai retenu que les enfants de Dieu doivent changer leur mentalité et qu'on doit bien comprendre la parole de Dieu. Oui. Être sauvé par grâce ne veut pas dire que c'est gratuitement. Après la grâce, il y a des actes que les enfants de Dieu doivent poser. Oui. Et ça, c'est notre prix à payer parce qu'on ne peut pas payer le sang de Christ. Amen. Ça, c'est gratuit. Amen. Et oui. D'accord. Et donc, il faut qu'on change. Moi, j'appelle parce que je voudrais pouvoir participer dans la maison de Dieu, mais je n'y arrive pas. À plusieurs niveaux, j'ai eu des, comment dire ça, je veux être bienfaitrice. Et donc, je pense que j'ai envoyé un message disant que je veux avoir votre contact directement et j'envoie ce que je dois envoyer directement. D'accord, je sais écoutez, que ça arrive dans la maison oui, de écoutez, Dieu. Il y a oui. le numéro que je vous donne ici, le numéro MTN, il sera affiché bientôt. Hein? Le numéro MTN que vous avez pour m'appeler, c'est mon numéro personnel. Doit tous ils sont connectés d'accord. Personnel. Si tu veux faire une offrande spéciale ce matin,
voulais faire une offrande spéciale à l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre-ci qui vous bénit, Oui. écrivez-moi sur WhatsApp immédiatement. Après, nous allons communiquer. Tous ceux qui veulent faire une Oui, offrande je vais vous écrire directement. Merci, papa. Oui, je vais vous écrire directement. Maintenant, mon sujet de prière. Oui, j'ai un sujet de prière. Ça me concerne moi-même. J'ai une persécution. J'ai cru depuis 2009. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui reste, qui m'empêche, comment dire ça. Je dois avoir un lien. Je le ressens parce que je suis persécutée. Et mes enfants aussi. D'accord, on va prier pour cela. Père, je prie au nom souverain de Jésus de Nazareth que toute puissance maléfique contre la vie de ma fille soit détruite, qu'elle et sa famille soient délivrées au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Allô, bonjour. Amen. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Annie Laurence depuis la France. Oh, Annie Laurence, alors, ce que j'ai retenu, c'est que je vais bien. La loi nous a été donnée par Moïse et la loi n'est pas un don gratuit de Jésus comme on le pense parce qu'en Jésus, rien n'est gratuit. La foi et la fidélité, la croyance en Dieu, l'intégrité en Dieu. Alors, on ne peut pas nous dire que je te donne ma chaussure gratuitement, mais avant de prendre ma chaussure, va me nettoyer la maison. Ça veut dire que pour avoir accès à la grâce de Dieu, il faut avoir la foi en Dieu. En conclusion, la grâce en Dieu a une contrepartie qui est la foi. Alors, comme j'aurais déjà une première question, je voudrais savoir si le parler en langue que j'ai commencé depuis 2 semaines vient de Dieu ou c'est dans ma tête. Deuxièmement, le travail. J'ai postulé à Genève partout, rien. J'ai envoyé des gens qu'on a pris et moi, chaque fois, mon dossier est refoulé. D'accord. Écoutez, par la grâce du Seigneur, le parler en langue, pour savoir s'il est authentique, il faut lire 1 Corinthiens chapitre 12. Le parler en langue doit être clair. Vous comprenez? Le parler en langue, c'est une langue. C'est-à-dire que c'est normal. Quand vous me suivez, souvent parler en langue. Malheureusement, quand je parle en langue, beaucoup pensent que c'est ma langue maternelle que je parle. Quand on parle en langue, c'est un peu comme tu parles le français ou bien l'anglais. Ça veut dire que c'est une langue intelligible et non pas inintelligible. Donc, si elle est bien articulée, elle respecte les sciences de la linguistique, ça veut dire que c'est une langue authentique. Quand tu parles une langue vivante, toi-même, tu le sais. Père, je prie pour ma fille qu'elle soit bénie au nom précieux souverain de Jésus. Que ta main soit dans sa vie et que le débordement de l'esprit soit son partage au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse là-bas en France, au nom souverain de Jésus. J'ai dit les appels WhatsApp. Si vous appelez sur WhatsApp à partir du Cameroun, je ne décroche pas, je vais raccrocher. Nous prenons aussi ceux qui sont à l'étranger. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, papa. Oui, bonjour, vous appelez d'où? Oui, je vous appelle de la France. D'accord, de la France. Qu'est-ce que vous avez retenu ce matin, s'il vous plaît? Que la grâce n'est pas gratuite et que Dieu ne multiplie pas dans zéro. Il tient compte de nos œuvres, il tient compte de nos actes. D'accord, vous avez un sujet de prière ou un témoignage? J'ai un sujet de prière. Allez-y alors. J'ai mes dossiers à la préfecture qui n'aboutissent pas. Je n'ai pas de réponse. Plus que c'est déposé là-bas, je n'ai pas. Je ne sais pas ce qui retient ma carte de sécurité. D'accord, on va prier pour ça. Père, j'ordonne au nom précieux de Jésus que ta grâce soit dans la vie de ma fille. Que ce dossier soit libéré au nom précieux souverain de Jésus. Merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Parfois, je vous ai dit la vérité. Dieu peut bloquer lui-même tes affaires. Ce n'est pas le diable. Dieu lui-même, il bloque tes affaires parce qu'il se rend compte que tu négliges son œuvre. Tu négliges ton Dieu. Ça veut dire qu'il te bénit, t'a béni. Tu n'as jamais manifesté de reconnaissance. Dieu dit, ok, comme tu ne reconnais donc pas, je vais te quitter. Et la présence de Dieu te quitte. Et là, ça devient un problème sérieux. Et tu dis, oh non, vraiment, le diable m'a bloqué. Ce n'est pas le diable. C'est que Dieu attend que tu fasses des offrandes en son honneur, que tu honores son nom dans la grâce qu'il te donne. Donc, j'attends quelqu'un ce jour qui va dire, je fais une offrande spéciale pour le ministère, un don de Dieu, un don pour Dieu. Je serai un don, une bénédiction pour la maison de Dieu. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous appelez d'où? Oui, je suis en train d'appeler de l'Italie. De l'Italie, d'accord. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'enseignement de ce matin, s'il vous plaît? Alors, l'enseignement que j'ai retenu de ce matin, c'est que nous sommes sauvés en payant par le prix de la foi. Oui. Et que nous devions briser nos limites par la mauvaise compréhension de la parole. Oui. D'accord. Vous avez un sujet de prière ou un témoignage? Oui, un sujet de prière. D'accord, allez-y. Nous vous suivons. Oui, il y a quelque temps que je vous suis, vraiment je suis émerveillé ce matin d'être en ligne ce matin avec vous. Je veux prier, je voulais pour ma maman et
bien et ma belle famille aussi. Mais pour mon épouse, mais mon fils et mon dernier fils qui a la pathologie de l'autisme. D'accord, c'est bon. La maladie, on va aller vite. Père, je prie au nom souverain de Jésus que ta main forte et puissante soit dans la vie de mon fils. Que toute sa famille soit guérie et délivrée. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Démon d'autisme, va-t'en. Quel miracle en dans sa maison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allô, bonjour. Amen. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô, bonjour, mon prophète. Oui, vous appelez donc. Oui, oui, j'appelle depuis la Guinée. Je m'appelle Monsieur Mekongo Simon Pierre. J'appelle depuis la Guinée, chef cuisinier international. D'accord, gloire à Jésus. Ce que j'ai retenu de la foi, c'est qu'elle n'est pas gratuite, elle est payée par des bonnes œuvres. Mmh. Et que si nous bâtissons pour Dieu, Dieu va tout bâtir pour nous. Mmh. Ok. D'ailleurs, pour mon sujet de prière, j'ai mal aux testicules. Ça fait, j'ai 43 ans aujourd'hui. Mmh. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai rien. Mmh. Rien n'avance. Mmh. Au fond, même l'année passée, j'ai été opéré déjà au niveau des testicules par varicocèle. Mais c'est revenu encore plus grave maintenant qu'on dit qu'on va encore m'opérer, que ça risque de devenir un cancer. J'ai cherché tout mon moyen à vous joindre. Aujourd'hui, j'ai la chance de tomber sur vous. Je suis sûr qu'après la prière d'aujourd'hui, ma santé serait parfaite. Oui, écoutez, au nom de Jésus-Christ. Amen, je crois en ça. Nous allons prier sur l'eau maintenant, que chacun prenne sa bouteille d'eau. Quand nous allons prier sur l'eau, s'il vous plaît, appliquez cette eau-là sur cet endroit pendant 3 jours. Oui, bébé, je suis là. Je suis en direct. Donc vous appliquez cette eau pendant 3 jours. Oui, bébé. Oui, c'est le matin, mon amour. Attends, je finis l'émission. Donc, vous, excusez-moi, c'est demi-moi qui me dérange. Donc, vous allez appliquer l'eau sur votre testicule pendant 3 jours. OK? La semaine prochaine, vous nous rappellerez pour nous dire, vous verrez ce qui va se passer. Un miracle puissant va se produire dans votre corps, dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. À cause du temps, prends ta bouteille d'eau, s'il te plaît. Prends ta bouteille d'eau. Nous allons prier. Père, au nom précieux souverain de Jésus. Que ta grâce vienne, que ta grâce et ton onction se révèlent maintenant du haut des cieux. Je prie que le mystère de la guérison et de la santé divine soit révélé du haut du ciel, dans ses eaux, au nom précieux et souverain de Jésus. Père, quiconque boira de cette eau reçoit la guérison et la délivrance. Que toute maladie disparaisse, que toute maladie soit anathème, au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. J'anéantis la puissance du mal. La puissance de maladie, quel que soit le nom de cette maladie, au nom précieux souverain de Jésus. Père, merci pour la délivrance, merci pour la restauration, merci pour la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bois de ton eau au nom de Jésus. Bois un peu sur l'eau, ok? Que le Seigneur t'accorde la vie, la santé au nom de Jésus. La préservation. Le Seigneur te préserve par cette eau. Toute maladie dans ton corps est brisée. Dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Je vais envoyer encore les numéros tout à l'heure. Ça sera affiché à l'entête même de cette émission. Tu veux faire une offrande spéciale pour Dieu comme le centenier ce matin. S'il te plaît, fais-le à ce numéro. Écris-moi inbox par mon WhatsApp et parlons. Dis-moi ce que tu veux faire pour Dieu. L'engagement que tu as pris. Comme tu le fais, que Dieu te bénisse. Bonne journée. Shalom, shalom, shalom. Rendez-vous ce soir à 16h en direct. Et demain, dès qu'il sera 6h, par la grâce de Jésus-Christ, ici sur la même plateforme. Shalom, au nom de Jésus. Amen. Dis bonjour à tout le monde. Dis bonjour. Bonjour. Voilà.